quelque part en Bourgogne, printemps 2024. Le village est devant nous, mon lieutenant, nous y serons dans 5 minutes. Doit-on envoyer une patrouille de reconnaissance? Quelle reconnaissance? Je n'ai que 8 hommes. Les renseignements nous assurent qu'il n'y a pas d'ennemis. Je les crois sur parole. Un convoi disparate avance à vitesse moyenne. En tête, un véhicule militaire, un vrai, découvert, avec une mitrailleuse fixée tant bien que mal du bricolage, le lieutenant, son caporal, le chauffeur. Derrière, un vieux 4x4 des années 2000 avec 4 hommes et en queue un chauffeur seul dans un véhicule dont on ne sait d'où il vient, rempli de matériel divers. Le lieutenant Cyril se tient debout à l'avant, les jumelles autour du cou. Il prend la pose, mais il doit la prendre pour être pris au sérieux dans une armée où l'héroïque pauvreté remplace l'abondance. Sur sa gauche, ce sont les premiers contreforts du Morvan, des collines rocailleuses. À droite, en plaine, une station-service désaffectée. En face, à moins de 3 km dans le fond, enserré dans les collines, un clocher, celui du village. Cyril. Il existe des procédures issues d'un manuel pour investir un village. Au bout d'une année de cette guerre bizarre, dont on m'assure qu'elle n'est comparable à aucune autre, je me sens là, et même usé. Et je me demande comment s'en tiraient nos ancêtres à Verdun. Il n'y a nul gendarme pour nous empêcher de reculer, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de front, qu'un jour on est devant, le lendemain derrière, que la bizarrerie ne réside pas dans les forces en présence, dans cette alternance imprévisible de zones de combat et dans zones calmes, mais dans son intemporalité. Cela tient de la guerre de 100 ans et de ses grandes compagnies. Oui, il y a là un caractère moyenâgeux et les téléphones portables, Internet, les satellites, les drones ne sont rien d'autre que l'équivalent du charroi. Ce village, normalement, je devais le contourner, le sentir, à la manière d'un sergent de cavalerie dans un western, sentant la pache, mais quoi, la technicité la plus haute, me dit que l'ennemi n'y est pas. Alors pourquoi s'user les nerfs? Les hommes me remercieront de cela, et si à Dieu ne plaise, nous tombions dans une embuscade, ils seraient si morts qu'ils n'auraient plus le temps de me le reprocher. On n'échappe pas à une embuscade bien montée. C'est une des premières leçons que les instructeurs enseignent. Il y a des conditions, certes, ne pas placer ses hommes de chaque côté, sinon on se tire dessus, ne pas tirer sur les premiers, mais seulement quand tout le groupe est passé, quand il est dans la nasse, mais bien mis en place, avec une arme automatique lourde, et s'il y a des véhicules, un lance-roquettes, ça marche, ça ne peut pas ne pas marcher. J'ai tendu des embuscades, ça a bien fonctionné, je tomberai un jour dedans et ça finira mal. Ma maigre colonne s'arrête à l'entrée du village devant un porche avec son campanile, une horloge arrêtée depuis quand, et de chaque côté des promenades ombragées, vestiges probables de fortifications. Il y a des curieux, termes que l'on donne aux hommes désœuvrés, assis sur des murets de protection devant un rue. Leur mécanique semble rouillée, ils ne viennent pas aux nouvelles. Assis sur un banc, ils les attendent, ils se méfient sans doute. Le civil est l'ultime victime des guerres, l'otage, l'agneau sacrifié aux exercices des guerriers. Mes hommes sont-ils des guerriers? Oui, si j'en juge par leur ardeur à la bataille de Melun, qui a vu enfin la guerre tourner à notre avantage, après tout combat, leur armée tombe dans une torpeur, un abattement inévitable.